Sarema, Dieu est ici. Sarema, qui veut être connu? Bienvenue chers téléspectateurs à votre programme de méditation, le Réma de vie. Nous sommes samedi le 15 avril 2023. Par la grâce de Dieu, nous sommes avec l'apôtre Johnson Suleiman et la lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous lisons 1 Roi, le chapitre 19 au chapitre 22. Le thème de cette méditation, c'est la troisième partie du message qui dit « Les clés de victoire dans les combats ». Le texte dit « Mes ennemis reculent au jour et je crie, où je crie, je sais que Dieu est pour moi ». Psaume le chapitre 56, le verset 9. Donc bien aimé, pour gagner dans les batailles de la vie, tu dois te connecter à la prière. La prière invite Dieu à prendre le contrôle des batailles. Quand tu pries, tu engages le surnaturel qui détruit l'opposition pour ou bien dans le combat et elle se soumet à toi facilement dans le royaume de l'esprit. Dans le royaume de l'esprit, la vie est spirituelle. Les batailles de la vie le sont aussi. Donc, dépendre de la force de la chair, c'est fini en victime. La Bible dit quelque chose, bien aimé. Il dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est vraiment Dieu est ici. Cela se trouve dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Et la prière est une arme puissante de combat spirituel qui, par la vertu de Dieu, détruit toute opposition contre nous et écrase toute forteresse. Donc, quand tu bascules dans le Saint-Esprit, en priant en langue surtout, bien aimé, tout ce qui était à la racine et les épines dorsales du problème auquel tu es confronté est abattu. Dans les missiles spirituels que l'opposition ne peut comprendre et combattre sont libérés et tu jouis de la victoire. Donc, pendant que tu t'engages dans la prière aujourd'hui, bien-aimé, je te vois jouir de la victoire. L'adversaire appelé Aman, avait déjà été vaincu dans le lieu de prière quand Esther, Mardochée et tous les Juifs ont prié avant qu'Esther n'entre chez le roi. Donc, bien-aimé, la faveur qu'elle a obtenue aux yeux du roi était une manifestation physique de ce que la prière avait géré en coulisses. Donc, bien aimé, prions aujourd'hui avec l'apôtre Johnson Suleiman. La prière dit, mon Père, pendant que je prie, que la passion pour la prière me possède par le feu. Amen. C'est vraiment Dieu est ici, sur ma. Qui veut être connu?